Superbe journée aujourd'hui, c'est un beau jour, je me sens très bien dans ma peau. Je suis sorti un peu question de me faire du bien, vous savez. Dans la vie, on peut pas toujours être sérieux, en tout cas pas du lundi à dimanche, c'est pas possible. On peut être sérieux lundi, mardi, mercredi, mais dimanche, il faut chiller, il faut relaxer, donc ça fait partie de la vie. Ça fait du bien, vous savez. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissez comme Zach le carré, le sérieux, tout ça. Seulement le sérieux, je suis pas toujours sérieux, enfin... Faut être sérieux, mais bon, on peut pas être sérieux du lundi à lundi. Il faut shifter, il faut varier, il faut permuter. Il faut surtout pas tuer le gamin en toi. Vous savez, chaque humain a un gamin, un petit, comment dirais-je, chaque humain a un enfant vivant dans lui. Et l'enfant, c'est celui qui te donne la joie, en fait. L'enfant, c'est quand tu es dans la douche en train de chanter, c'est l'enfant qui vit en toi. Quand tu es dans la chambre, en train de rouler, en train de faire, je sais pas, des trucs bizarres, que tu ne montrerais pas certainement ou nécessairement à tout le monde, c'est cet enfant en toi. En fait, la partie de bonheur que tu cherches, c'est l'enfant en toi. Mais on cherche tous l'argent pour pouvoir exploiter l'enfant en nous. Parce que si tu exploites l'enfant en toi sans argent, on te traite d'adolescent ou ça te coûtera beaucoup trop d'argent. Moi, j'ai gardé l'enfant en moi vivant. Ah, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais voilà, on se régale, on se fait du bien, on s'amuse. Ça fait partie de la vie. Cheers. Bon. Je mange du saumon et des frites, hein. Tu vois, quand tu vas dans un milieu où les gens sont... Hein, toi, si tu fais genre... Comme ça, vous êtes... Normalement, dans mon coin, je mangerai du foufou. Ou un truc comme ça, ou du poisson salé. Hein, tout. Je ne mangerai pas du saumon. Comme ça, elle passe. Belle paire de chaussures, tu regardes comme ça, elle passe, elle ne répond pas. Et puis quand elle entre à l'intérieur, elle va étreindre ou embrasser le serveur blanc. Il t'ignore, toi. Elles ignoraient les noirs pour embrasser les blancs. Finalement, on s'est décidé de faire quoi? Plus jamais aucune femme noire, on disait bonjour. On disait bonjour à aucune femme noire. Parce que généralement, on s'était convenu, on avait compris que à chaque fois que tu dis bonjour à une femme noire, elle entend « Voulez-vous coucher avec moi ?» Quand tu dis bonjour, elle est longtemps, voulez-vous coucher avec moi? Alors, ça m'a rappelé ça. Quand tu dis un bonjour simple pour être gentil, on pense que tu es un truc. Mais quand c'est un Indien là-bas, comment ça arrive? Je ne sais pas expliquer. Il y a un petit moment, les gens du management qui viennent de découvrir qui j'étais sont venus me dire bonjour avec beaucoup d'ostentation.
Maintenant, la fille remarque qu'on me dit bonjour. Elle veut maintenant savoir je suis qui, au fait. Après avoir posé des questions, elle revient et commence à me sourire. Maintenant, devinez ce que moi j'ai fait. Not a smoker, but I smoke cigar, baby. Smoke cigar. Which one? Vous savez, ça me fait penser à il y a très longtemps, quand je travaillais comme agent de sécurité. La vie est dure, vous savez, la vie est dure. Et quand les choses sont dures, on ne se plaint pas toujours. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, c'est un moment. C'est un moment, c'est temporaire, rien n'est permanent. Moi, j'ai passé des nuits à même les sols. On dormait au sol. On n'avait pas de lit, pas à manger, pas de nourriture, pas d'argent. Et j'ai travaillé comme agent de sécurité. Jamais dans ma vie, je m'imaginais qu'un jour, je ferais... Jamais dans ma vie. C'est vrai que j'avais la niaque, mais jamais je ne pensais pouvoir vivre une réalité aussi palpable. Je ne suis pas un fumeur, hein, mais... Ça, c'est pour tous les agents de sécurité aujourd'hui. Ce n'est pas un faux boulot, mais ce n'est pas un boulot éternel. J'ai fait partie de cette communauté. Pour tous les sorteurs de clubs. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas une condamnation à mort. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un de fort grâce aux difficultés que j'ai traversées. Bah, je ne sais pas ce que toi tu traverses dans la vie. Je ne te demande pas de fumer, hein, de faire tout ça là, prendre ce que je prends. C'est mon sentiment à moi, personne ne peut m'en empêcher. Ma conscience est claire. Il y a des gens qui font pire que ça, c'est clair. Votre vie n'est pas figée, rien n'est permanent. Il faut jouir de la vie. La vie est courte, je suis là, demain on ne sera pas là. On fait du bien, voilà. Yeah baby. Maintenant, la fille là, la fille là qui j'ai dit bonjour, elle a fait genre, le mec qu'elle attendait vient d'arriver. Maintenant, il faut regarder le mec. Ah non. Faut voir le monsieur. Je suis déçu. Je suis en train de préparer, enfin je suis en plein voyage. On a déjà commencé pour parcourir l'Afrique, se faire comprendre un peu ce que c'est l'Afrique. L'Afrique a tellement de choses à offrir. Alors, on compte faire le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon, le Cameroun, en tout cas tout ça. Les pays anglophones aussi, évidemment. Donc, très bientôt, on sera peut-être chez vous. Ça sera un réel plaisir de vous rencontrer, si le Créateur nous le permet. Toujours dans le banc, toujours dans la bonne ambiance. Ça fait du bien. Voilà. Donc, bientôt. Très bientôt.